En amont de son meeting d'hiver 2013-2014, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer a entièrement refait son parcours de haies avec le tout nouveau produit développé par Duraloc, des spécialistes en la matière hippique. L'idée était de concevoir une haie à la fois standardisée et sécurisée, en comparaison avec ce que l'on connaît sur le marché aujourd'hui, qui est toujours réalisé en bois, en métal ou en béton. Et après des recherches, nous nous sommes rendus compte, nous sommes arrivés à la conclusion, que l'utilisation des matières plastiques nous permettait de répondre à ces critères, avec en plus un aspect important qui était de ne plus avoir d'entretien. L'équipement d'un hippodrome complet avec 9 haies est une première pour les nouveaux obstacles Duraloc, arrivant dans la foulée des premiers essais concluants effectués à Bordeaux et à Angers. La grande révolution se situe dans la conception, en France, du caisson en matière plastique solide, sorti en un seul bloc d'1,50 m, des machineries d'une usine spécialisée située en Picardie. Fabricant de lisses en PVC pour la sécurité des hippodromes depuis 20 ans et leader sur ce marché, Duraloc réalise désormais des obstacles depuis 2008. Je vais vous montrer un petit peu la nouvelle haie Duraloc. Chez vous, elle arrive tout assemblée, mais je vais quand même vous montrer les éléments qui la composent. Premièrement, le caisson, sur lequel nous venons apposer la plaque de mousse EVA en protection de façade. Et le trois quarts de rond, vous voyez, avec ses inserts, qui lui est une pièce souple, et qui vient s'enquiller directement dans les trous au blond prévus à cet effet. On va prendre maintenant la dernière phase qui consiste à glisser tout simplement le bloc de balai synthétique, qui lui est une révolution aussi parce que aucun entretien. Pour compléter notre haie Duraloc, un produit que vous connaissez tous, c'est la barre d'appel en polyéthylène qui permet d'avoir quelque chose de fini et vous pouvez y aller. Au terme d'une commission d'obstacles fin mai 2013 à Cagnes-sur-Mer, les professionnels ont choisi Duraloc et tout était prêt dès l'automne. Nous, on a été particulièrement séduits à la fois par la réactivité de Duraloc, il fallait avoir le matériel très rapidement. En même temps, tout ce module de haies est vraiment très pratique à poser. En moins de 3 mois, les obstacles ont été montés. Ça a nécessité quand même un terrassement. Ce terrassement est particulier peut-être à Cagnes-sur-Mer, peut-être pas utile sur tous les hippodromes, parce que chacun connaît les problématiques de Cagnes-sur-Mer. C'est un meeting qui est assez intense et pendant l'hiver, et donc le sol peut bouger et on doit réagir très vite puisque tous les jours quasiment on a course d'obstacles. Alors pour être précis dans les détails innovants du produit, nous pouvons ajouter que nous avons protégé les cerclages des bouquets par un petit gainage en caoutchouc, de façon à éviter les blessures du cheval. Les caissons ici présentent 3 compartiments pour les balais, donc ce qui fait une haie assez large, suffisamment sélective, mais nous avons aussi développé un caisson à 2 rangées qui est plus destiné à l'entraînement et aux hippodromes d'une autre catégorie. À l'entraînement, Guy Chérel a ainsi équipé son centre de Gavray dans la Manche. C'est de la bonne qualité, ça dure. Tout est pensé et conçu pour la sécurité aussi bien des chevaux que des jockeys. Et c'est pensé par des gens qui connaissent le métier et qui ont l'habitude de pratiquer. Et du coup, on a des bons résultats.